She said, reality is knife. Salut petit gnou, c'est Gaga. Alors, on va faire une petite vidéo sur la célèbre reine de la torture de la CIA qui se reconvertit dans une carrière de coach beauté. Ça promet. Selon un reportage de Jacques Cransby, travaillant pour le magazine, du magazine Rolling Stone, une femme qui a servi à la CIA, qui a été surnommée la reine de la torture, dans un article du New Yorker pour son rôle dans la traque d'Oussama Bin Laden, a refait surface dans une nouvelle carrière. Alfreda Schauer, donc c'est elle, hein, gousi gousi, qui a servi de base au personnage de Maya, interprété par Jessica Chastain dans le film controversé Zero Dark Thirty, et passé des techniques d'interrogatoire aux conseils de femmes sur leurs besoins en matière de beauté. Grand écart facial, hein, là ça s'appelle une Jean-Claude Van Damme. Hein. Le reportage note que Schauer, anciennement Bikowski, ah, mais t'as bien une tête de Bikowski, je me disais bien aussi. Et maintenant, Maria Michaël Schörer, ancien agent de la CIA qui est devenu un fervent défenseur des théories QAnon. Ouais, ben dis donc. Quant à Alfreda, elle a récemment accordé une interview à Reuters dans laquelle elle évoque ses années passées au service du gouvernement avant de devenir coach personnel, ibeboti. Je le regrette pas du tout, d'ailleurs. Selon le journaliste, son identité a longtemps été cachée au public malgré le bilan désastreux de Schauer à plusieurs postes de haut niveau au sein de l'agence. Le New Yorker a écrit qu'elle était à l'origine d'années de jugement terribles. Oui, année de jugement terrible, bon, pourquoi pas. À en juger par ce qu'elle a déclaré à Reuters, elle ne regrette rien puisqu'elle a affirmé que le waterboarding, la torture à l'eau qui a pour but de faire suffoquer la victime, n'était pas de la torture et que pour elle, un espion masculin n'aurait pas reçu les mêmes critiques. Peut-être qu'un espion masculin, il n'aurait pas été interviewé du tout, en fait. Ajoutant qu'à ce jour, elle maintient qu'elle faisait son travail. J'ai obtenu ce titre parce que j'étais dans l'arène. Ouais, dans l'arène. Quake 3 Arena. Ouais. On fait de la viande volante dans l'arène, hein, on connaît. Hein. A-t-elle insisté? En fait, j'ai levé la main haut et fort. Tu l'as pas baissé aussi fort à un moment. Et vous savez, je ne le regrette pas du tout. C'est pas un petit peu sadique, toi, espèce de. Hein? Bon, qu'est-ce que quoi? Elle a également déclaré à Reuters, je sais ce que c'est de quitter sa zone de confort pour essayer quelque chose de nouveau. Allez, on passe à quelque chose de nouveau, on va mettre des bouts de bambou sous les ongles, j'ai jamais essayé, je quitte ma zone de confort. J'avais terminé une carrière de plus de 3 décennies en tant que cadre supérieur du gouvernement, dirigeant des équipes principalement féminines, donc c'est une féministe, hein, en fait, on a compris, chargée de missions toujours réussies avec succès, prenant des risques calculés. Ouais, bah, je sais pas, un mec attaché à qui t'es en train de faire du waterboarding, j'ai pas l'impression que ce soit trop calculé, mais enfin, qu'il y a eu trop de risques. C'est calculé, mais pas trop de risques. Et prenant même des décisions de vie ou de mort. J'ai adoré chaque minute de cette expérience. C'est ce que je disais, elle est sadique, la garce. Alors, en ce qui concerne sa nouvelle carrière, Jacques Crosby affirme que ses arguments de vente sont un peu vagues. Beaucoup des produits dont Shower fait la promotion sont pour le moins douteux. En plus, elle arnaque les gens, c'est quoi ça? Dans une vidéo Facebook, elle fait la promotion d'un sérum pour la peau contenant des cellules souches humaines. D'accord. Vous pouvez voir d'autres produits qui font la publicité pour des cellules souches, mais ils sont pour la plupart dérivés de plantes. Ils sont loin d'être aussi efficaces que les cellules souches humaines réelles. D'accord, non mais en fait elle en a rien à foutre, tu lui broies des fœtus pour t'en tartiner la gueule, ça lui va très bien elle. Hein. Dit Schauer à propos d'un flacon de 295 dollars. Ajoutant que le site web de Schauer n'était pas opérationnel lorsque Rolling Stone a essayé d'y accéder. D'accord, bon bah voilà, c'était une info foireuse, ma foi. Hein. Allez, amusez-vous bien les petits gnous. Bisous, bisous.